Memories destroy my mind. Memories make me feel alone. Memories will never fade away. But this melody comes its way from hell. It may bring you back to me, my love. Goodbye, my precious rose. Salut les Bleuzailles, bienvenue dans cette nouvelle série de cartoons intitulée War Heroes. Chaque épisode de cette série sera centré sur un personnage réel ayant accompli des actions d'éclat durant la Seconde Guerre mondiale. Ce premier épisode met en vedette un soldat allemand, Heinrich Sivelo. Alors lui, c'est un ouf. Heinrich est né dans une ferme allemande en 1923, c'est le fils d'un agriculteur et très tôt, il se passionne pour les chevaux. En 1936, comme d'innombrables jeunes allemands, il rejoint la Hitlerjugend. Alors, les jeunesses hitlériennes, c'est un peu comme les scouts, sauf qu'au lieu d'apprendre la solidarité, l'entraide et le respect, on apprend à tirer au fusil et à détester les juifs. Bon alors, évidemment, je ne porte pas de jugement, ce n'était qu'un enfant qui faisait ce que ses parents lui disaient de faire. Et même ses parents n'étaient pas vraiment à blâmer non plus, car à cette époque, la politique d'Hitler fonctionne plutôt bien. Les nazis ont redressé le pays, il n'y a plus de chômage, il fait bon vivre en Allemagne. Personne ne pouvait imaginer que ça allait partir en couille d'ici peu de temps. Enfin, sauf les juifs, parce que eux, depuis 1933, ils morfent déjà chamément. Heinrich est mobilisé l'année de ses 20 ans, en 1943. Il est incorporé dans le régiment d'artillerie de la 321e division d'infanterie près de Calais. Fin 1943, Heinrich et son unité partent pour la Russie. Heinrich est un tireur d'exception, mais sa connaissance des chevaux lui évite le combat en première ligne. Il devient cocher d'une voiture hippomobile et sa mission consiste à ravitailler les troupes. Cependant, c'est pas vraiment la planque non plus, car comme ses camarades, il va découvrir les délices de l'hiver russe. Il parcourt 80 km par jour avec des températures avoisinant les moins 60. Et ouais, l'hiver russe, ça rigole pas. Papa, j'ai froid aux pieds. Fous-moi la paix, j'ai des problèmes plus graves. Rapidement, Heinrich souffre d'engelures sévères à cause de ses pieds qui gèlent sur place à force d'être assis dans sa charrette. Et pour couronner le tout, il finit par choper une pneumonie qui le plonge dans un coma profond. Il est alors rapatrié en Allemagne pour être soigné. Une fois remis sur pied, les médecins veulent le réformer et le renvoyer chez lui. Mais à cette époque, les armées du Reich se prennent branlée après branlée sur tous les fronts. Et donc tonton Adolf a plus que jamais besoin de tous ses braves soldats. L'état-major décide donc d'affecter Heinrich dans un coin au climat moins rude pour qu'il puisse être apte au combat malgré sa santé fragile digne d'une lopette gauchiste. Le soldat Sivelo rejoint la 352e division d'infanterie en Normandie, dont la mission est de défendre le mur de l'Atlantique. Arrivé à sa nouvelle affectation, il se fait victimiser par son nouveau chef, l'Oberfeldwebel August Wassermeier, un gros connard adepte de la discipline prussienne. Heureusement, ça dure pas longtemps. Heinrich est nommé caporal et devient l'assistant de l'Oberstleutnant Frerking. Ils sont tous deux affectés à la défense du Widerstandsnest Zweiundzwanzig, une position forte située sur la plage de Colville-sur-Mer, dans le Calvados. Cette plage deviendra célèbre sous le nom d'Omaha Beach. Pour Heinrich, cette période, c'est la fête du slip. Il s'entend très bien avec son nouveau patron et il est logé dans une demeure confortable. Il peut lire des livres et écouter de la musique sur son gramophone. Après le front de l'Est, la Normandie, c'est le Club Med. Alors je sais, jusqu'ici on peut pas dire que la carrière militaire d'Heinrich soit palpitante, mais tout va basculer un mardi matin. Heinrich, mein doigt, les Américains arrivent. Hein, quoi, à Zederzi? Ces fils des putes des Yankees ne respectent vraiment rien! Sivelo et Frerking se mettent en route pour rejoindre la position défensive 62. Frerking va à son poste d'observation afin de coordonner les tirs d'artillerie qui couvrent la plage, tandis qu'Heinrich rallie son poste individuel de combat où l'attend sa mitrailleuse. À 5h du matin, les avions alliés commencent à bombarder les positions allemandes. Ensuite, c'est l'artillerie de la marine qui se déchaîne. C'est un véritable déluge de feu qui s'abat sur le secteur. Cependant, les dégâts sont négligeables et les défenses allemandes sont totalement opérationnelles quand l'assaut débute à 6h du matin. Les péniches de débarquement commencent à chier leur cargaison de GI aux abords de la plage normande dans une ambiance étonnamment calme car aucun coup de feu n'est tiré des positions allemandes. En effet, le Feldmarschall Rommel qui commande les forces armées allemandes du secteur pendant la bataille de Normandie a interdit de tirer sur un ennemi qui débarque tant qu'il a de l'eau au-dessus de la taille. C'est pas un truc de ouf ça? Eh oui, c'est difficile à croire quand on connaît les atrocités perpétrées par le Troisième Reich, mais contrairement à la propagande véhiculée par le cinéma hollywoodien, certains généraux allemands tels Rommel ou Dönitz étaient de véritables gentlemen pratiquant la guerre avec un esprit chevaleresque qui contrastait grandement avec la sauvagerie de la plupart de leurs homologues américains. Cette image va à l'encontre du cliché ancré dans la psyché collective présentant l'officier allemand comme étant forcément un nazi fanatique aussi cruel que détestable. Ouah, mais t'as conscience que ça frise le révisionnisme ce que tu racontes là? Ouah, et toi t'as conscience que les soldats américains ont violé plus de femmes françaises pendant les 4 mois qui ont suivi le débarquement que les allemands pendant les 4 ans d'occupation? Non, parce qu'il me semble que c'est une information assez intéressante quand même, on n'en parle pas assez dans les livres d'histoire. Ouais, ben ils sont venus nous sauver et ils ont bien le droit de s'amuser un peu quand même. C'est quand même dommage.
dommage qu'Hollywood ne fasse pas un film sur ce sujet. Enfin bon, pendant quelques secondes, les Allemands tirent pas sur les Américains, mais une fois qu'ils sont arrivés sur la plage, les Schleux commencent à en faire du hachis parmentier. Elles sont où les Françaises? Elles sont où? Filles, des filles! Les meufs, les meufs. Les femmes sont derrière les lignes allemandes! En avant! Alors autant vous le dire tout de suite, le père Heinrich, il est pas venu pour enfiler des perles. Les Américains l'ont forcé à se lever en pleine nuit et ils vont le payer cher, très cher. Heinrich a une position de tir parfaite, il surplombe la plage, il bénéficie d'une bonne couverture et surtout, il a une machine Geber 42, ou MG42, la mitrailleuse la plus dévastatrice de l'époque. Capable de tirer 1200 coups par minute, soit la bagatelle de 20 cartouches à la seconde, la MG42 est un bijou technologique dont la cadence de tir est deux fois supérieure à la plupart des autres mitrailleuses. C'est une arme tellement efficace qu'elle est toujours produite à l'heure actuelle dans une version modernisée, la MG3. Heinrich va tenir sa position pendant 9 heures sous le feu ennemi, et pendant tout ce temps il va arroser la plage, se servant de la MG42 pendant les grosses vagues de débarquement et utilisant 3 fusils CAR 98 pour le tir de précision. Durant cette journée, il va tirer 13 500 cartouches à la mitrailleuse et 400 cartouches au fusil. Les Américains sont des proies faciles sur la plage et pour Heinrich c'est comme à la fête foraine, il va faire subir des pertes effroyables à l'ennemi. Prepare to fight. J'ai fait fou ça prendra à m'empêcher de dormir, bande de fils de pute. Killing spree. Rampage. Dominating. Unstoppable. Godlike. Wicked sick. À l'assaut, bande de lâches! Les Françaises ne vont pas se violer toutes seules! Ce sera pas notre tête! Ouais! Tu veux pas ta pote? Il est 15h, les chars Sherman sont arrivés sur la plage. À bout de force, à court de munitions, blessé au visage et submergé par les assaillants, Heinrich est obligé de quitter son emplacement. Il rejoint Frère King qui lui ordonne d'évacuer la position. Quand les Américains arrivent dans son poste de tir, la hauteur des étuis vides leur arrive au-dessus des chevilles. On estime qu'Heinrich a tué ou blessé plus de 1000 soldats américains ce jour-là, soit plus d'un quart des pertes alliées à Omaha Beach. Ce qui fait d'Heinrich Zivolo rien de moins que le fantassin le plus meurtrier de l'histoire. Il a amplement mérité son surnom, la bête d'Omaha. Pendant sa fuite, Heinrich est blessé à la hanche droite, mais parvient tout de même à rejoindre les lignes allemandes. Il se fait soigner et on lui confie la garde de 4 prisonniers américains, mais pendant la nuit, il est totalement encerclé et décide de se rendre à ses prisonniers. Il parvient à s'échapper quelques heures plus tard, mais il est repris à l'aube et la guerre se termine pour lui. Il sera envoyé comme prisonnier de guerre aux États-Unis puis en Angleterre, ensuite il sera libéré et pourra retourner vivre et travailler dans la ferme familiale en Allemagne. Heinrich ne retouchera plus une arme à feu de sa vie. Pourtant, il ne regrettera jamais ses actes, estimant avoir seulement fait son devoir de soldat. Et perso, je pense qu'il a raison. Il sera tout de même hanté jusqu'à la fin de ses jours par l'horreur de ce 6 juin 1944. Du temps de la Seconde Guerre mondiale, Heinrich Zivolo était un nazi convaincu, et c'est sûrement pour cette raison qu'en 1994, quand il demande à participer à la cérémonie des 50 ans du débarquement, on lui répond poliment d'aller se faire foutre. Heinrich s'éteint en 2006 à l'âge de 82 ans. Ainsi s'achève l'histoire d'Heinrich Zivolo, la bête d'Omaha. Les infos de ce cartoon sont issues d'extraits du livre d'Heinrich Zivolo, ainsi que de divers sites internet. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire d'un soldat allié cette fois. A bientôt, cher public.